Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Fabio Blanco au Barça. Mais avant de parler de Fabio Blanco qui est selon moi un excellent joueur, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste c'est évidemment le plus important, je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de Blanco au Barça. Après avoir recruté Ferran Torres, le Barça s'offre les services de Fabio Blanco, l'ailier de 17 ans, de Francfort va rejoindre le FC Barcelone pour renforcer l'équipe réserve entraînée par Sergi Barjuan. Le FC Barcelone poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents. Les supporters du FC Barcelone se sont réveillés ce mercredi avec une nouvelle raison de s'enthousiasmer pour l'avenir. Selon Sport, le Barça a signé l'ailier espagnol de 17 ans, Fabio Blanco, qui jouait jusqu'à là à Francfort, où il est arrivé il y a quelques mois en provenance de Valence. Le média rapporte que l'accord est total et qu'il ne manque plus que l'officialisation du club catalan. Fabio Blanco, format à Valence, comme Ferran Torres, était déjà proche de rejoindre les Blaugrana il y a quelques mois, mais l'intrigue s'était immersée dans la bataille Madrid-Barça pour son recrutement et il avait finalement mis le cap sur l'Allemagne. D'après les informations de Bisoccer, l'ailier espagnol arrivera presque gratuitement chez les Catalans. Bien que le Barça ait accepté de payer un certain nombre de bonus à Francfort en fonction des performances de Fabio Blanco avec l'équipe première. Comme l'explique Sport, l'accord portera sur 2 saisons et demie et l'ancien joueur de Valence rejoindra le FC Barcelone lors du mercato hivernal, même s'il rejoindra le Barça B dans un premier temps et non l'équipe première. Après s'être fait un nom dans les rangs des jeunes de Valence, Fabio Blanco avait de grands espoirs pour son arrivée en Allemagne. Cependant, l'importance de l'ailier droit de Francfort a été réduite à des apparitions limitées avec les U19. Comme les conditions convenues n'ont pas été respectées, Francfort a accepté de libérer le joueur et a facilité son arrivée à Barcelone. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que l'arrivée de Fabio Blanco au FC Barcelone est vraiment une bonne idée? En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner à la chaîne. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous. J'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.